L'espoir, c'est une vision du futur. Une vision de ce qui sera. Et dans cet espoir se trouve aussi la peur. Puisque l'espoir fait partie du temps. Et quand il y a la peur, il y a ce que l'on pense de la situation. Et cette situation, si elle n'arrive pas, elle nous donne des émotions. Donc l'espoir fait vivre un sentiment de crainte que cela n'arrivera pas. Au fond de l'espoir, il y a ça. Il y a cette crainte. Espérer. De quoi espère-t-on? Meilleur salaire, meilleure nourriture, meilleurs vêtements. On espère que le monde sera mieux, que le monde sera plus heureux. On espère. Tant qu'il y a l'espoir, dans nos esprits, il y aura cette peur. Cette angoisse de faire arriver les choses et d'être dans l'attente. L'espoir crée ça. Mais tout se passe maintenant. T'as pas besoin d'attendre demain pour faire en sorte que les choses sont là, comme elles sont. Et de les accepter. Quand tu les acceptes, peut-être que tu peux voir la possibilité d'une autre façon tout de suite pour faire en sorte que c'est déjà dans le processus du changement. Parce que le changement, ça arrive là, maintenant. Quand tu as cessé d'espérer. Si tu espères, ça veut dire que tu es dans l'attente. Et dans cette attente, ben, il y a tout un processus à faire exister pour que la chose que tu veux puisse exister. Et dans cette attente, il y a bien sûr toute la frustration que l'on connaît tous. Parce qu'on est dans l'attente. Et cette attente mine la joie de vivre. Parce que, comme on disait, l'espoir contient en elle cette peur. Donc dès que tu espères, tu crées aussi toute une horde de pensées qui vont t'accompagner. Il n'y a pas d'espoir. Il y a juste la vision de ce qui est. Et quand ce qui est là, alors il n'y a plus besoin d'espoir, puisque tout est là. Et tout se passe toujours maintenant, comme c'est. Acceptez ça. Ça veut dire que tu es dans un autre cheminement, tu es dans une autre façon d'accueillir la vie. Tu es différent. Tu ne vois pas à travers le temps, tu vois à travers l'infini, puisque le temps c'est l'espoir. Une manière de te dire que si je n'espère pas, ben je suis foutu, quoi. Donc on pense à ce qui sera mieux, à ce qui serait mieux,
à ce qui devrait être mieux. Et nos esprits sont occupés par la pensée qui va nous indiquer comment y arriver. Donc nous sommes toujours très occupés avec ce que nous projetons. Parce que justement l'espoir, c'est une projection de ce que nous attendons. Il y a un désir derrière tout ça, de voir venir les jours meilleurs, sortir de la condition dans laquelle on est. Mais je me pose la question, est-ce qu'on a besoin du temps pour sortir de la condition dans laquelle on est? Une condition, c'est quoi? C'est ce que tu as accepté de vivre. C'est ce que tu vis. C'est ta condition. Tu es riche, c'est ta condition. Tu es pauvre, c'est ta condition. Tu es triste, c'est ta condition. Tu es joyeux, c'est ta condition. Mais il y a des conditions qu'on n'aime pas. On veut changer. Et là, on est en train de dire, n'espère rien. Accepte. Accepte la condition telle qu'elle est. N'essaye pas de traficoter pour pouvoir avoir dans ton esprit quelque chose d'autre, un espoir, quelque chose qui pourrait être mieux. Juste vis ce qu'il y a, accepte, parce que c'est la seule chose que tu auras. Autrement, tes pensées t'emmèneront dans un monde féerique où tu vas penser que ce sera mieux. Nous voulons quelque chose de mieux. Donc nous le projetons. La projection, c'est donc l'espoir. Et dans l'espoir, il y a un rêve qui se joue. Mais tout ce qui se passe dans la vie n'a rien à voir avec demain. C'est maintenant. Maintenant, là. Tout se joue. Dans l'instant fatidique où tu respires, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre qui est à vivre. Quand tu acceptes ça, tu as toute l'intelligence qu'il te faut pour pouvoir t'en sortir. Parce que quand tu acceptes de vivre la condition qui existe, alors tu vois la condition, tu vois ce qui se joue, tu vois qu'est-ce qu'il y a dedans. Et en voyant ce qu'il y a dedans, se joue une transformation de l'esprit qui va faire des choses autrement. Et la condition, en quelque sorte, elle n'existe pas. Il n'y a que la perception de ce qui se joue. C'est-à-dire, tu es celui qui perçoit la condition qu'il y a. Tu vois cette chose et tu ne la subis pas. Parce que si tu subis, il y aura l'espoir. Un espoir que tout ira mieux. Ça fait partie de la faculté mentale de pouvoir se projeter et de rêver, d'imaginer, de penser à autre chose. Cette faculté mentale, c'est ce que tu as appris, toutes les mémoires que tu as reçues depuis que tu es enfant, et même avant,
c'est le résultat de toute la race humaine avant toi. Toutes les conclusions que tu as eues, ce sont les pensées que tu as qui te donnent de l'espoir. Parce que on t'a raconté qu'il y a mieux, il faut poursuivre ce qu'il y a de mieux, il faut réussir, il faut aller vers là. Mais il n'y a rien à atteindre. Tout est là, maintenant. Tout est là pour être vécu. Et si tu veux que le monde soit mieux, alors il faut que ce soit toi qui change ton attitude, parce que c'est toi qui veux que le monde soit mieux. Pourquoi voudrais-tu que le monde soit mieux? C'est pas au monde d'aller mieux, c'est à toi d'aller mieux. Parce que le monde qu'il y a autour de toi, c'est toi qui l'as construit quelque part, avec tout ce que tu as reçu de la race humaine avant toi. Et ça se perpétue aujourd'hui. Nous le donnons à nos enfants et ça continue pareil. Et puis on dit, ayons espoir que ça ira mieux. Cet espoir est ambigu. Certes, on ne va pas médire sur une catastrophe. On va vouloir que les choses sont dans l'harmonie, dans la joie, dans la paix. Mais jusque-là, aller espérer que ce sera différent, il me semble que la différence se fait maintenant. C'est toi qui fais en sorte que ton esprit ne se projette plus. Parce que si tu ne veux rien, alors tu es présent. Si tu n'attends rien, alors tu es présent. Attente, qui veut dire que tu ne te projettes plus. Tu ne veux rien qui puisse te sortir d'une situation quelconque. Ces situations doivent être vécues. Et il semblerait que dans notre monde, la plupart d'entre nous, on ne veut pas vivre des situations. Donc on passe notre temps à arranger, à espérer, à voir autre chose que ce qu'il y a. Pourtant ce qu'il y a, c'est la seule chose qui existe. Et tout ce temps qu'on passe à essayer de contrôler, à ranger, pour faire en sorte que nous ayons une vie qui soit agréable. Toute cette activité te fait dépenser beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie est dissipée à cause de cette activité. L'activité de l'espoir, l'activité de ce que sera demain. C'est-à-dire, ta tête cogite, tu es dans la projection. Tu ne sais pas être celui qui est là, avec rien d'autre que ce qui est là. Il te faut être occupé à quelque chose qui devrait y avoir. C'est l'esprit tranquille qui peut faire ça. Un esprit tranquille, il ne saute pas sur ce qui devrait y avoir. Il accepte ce qu'il y a. Et ça, c'est l'art d'être tranquille. L'art d'être celui qui est présent à toute la situation qui se joue. Et dans cette situation-là, quand tu es présent, tu vois tous les dangers. Les dangers que tu te proposes. Parce que dans ce que tu te proposes, il y aura aussi l'angoisse. Donc tu es accaparé par
tout ce déroulement qui devrait y avoir, que tu aimerais le faire exister. Et en fait, tu sombres dans le désarroi, automatiquement, un jour ou l'autre. Alors que tout est là. Ce moment-là, tu n'as pas besoin de l'attendre. Ce moment-là, c'est ce que tu es quand tu cesses d'être en activité pour vouloir quelque chose d'autre. Ce moment-là, c'est ce que tu vis quand tout est accepté. Et là, il y a une grande joie. Parce que tu n'as plus rien à faire pour que tu puisses te projeter dans quelque chose, dans une quelconque imagination, quelconque espoir. Tu n'as plus besoin de le faire. Tu es libéré de toute cette cogitation, de toute cette niaque que tu as de demain. À ce moment-là, l'esprit est tranquille. Mais est-ce qu'on sait vivre avec un arrêt total de toute l'activité de nos esprits? Parce que dans le monde, c'est ce qui se passe. On ne s'arrête jamais. Jamais, jamais. Tu vas dormir, c'est là, c'est en train de cogiter. Tu te réveilles, c'est pareil. Tu dors aussi, c'est pareil. Tout le temps, tu es en train de cogiter. Donc l'esprit ne sait pas ce que c'est être vidé de toute l'activité neuronale, cérébrale. L'activité, quand elle s'arrête, ça veut dire qu'il n'y a plus de réaction à ce qui devrait y avoir. C'est-à-dire à l'espoir, quelque chose pour se projeter dedans, imaginer dedans. Quand il n'y a plus cette activité, cette réaction-là, mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste là? Un grand vide. Rien. Parce que ce que tu es, c'est rien à ce moment-là. Ça, ça fait peur. Donc on est tout le temps occupé avec quelque chose. Parce que ce rien-là, si tu plonges là-dedans, si tu acceptes ça, tu vas découvrir là-dedans que ça, c'est ta nature profonde. Ça veut dire qu'il y a rien. Rien. Ça veut dire pas une seule chose, pas une seule petite pensée, pas une seule petite croyance. Rien. Tu es rien. Tu es vidé. C'est ça ta nature. Et cette nature pourvoit un équilibre dans ton esprit. Parce que ton esprit n'est plus omnibulé par plein de choses, où tu dissipes toute ton énergie. Un esprit, pour opérer, il faut qu'il soit vidé, il faut qu'il soit calme, il faut qu'il soit serein. Autrement, tu ne peux pas opérer. Si tu es tout le temps en train de penser, tu ne peux pas opérer. Rares sont ceux qui opèrent avec l'esprit tranquille. Parce que toute notre vie, on nous a expliqué qu'il faut espérer, qu'il faut avoir, qu'il faut réussir. Donc, on est tout le temps occupé
l'esprit est occupé. Et là, on parle d'un moment où il n'y a plus de réaction à ce qui devrait y avoir. On ne réagit plus aux événements qui nous proposent d'aller prendre pour pouvoir se réconforter. Tu n'es plus influencé par ce que le monde propose, en fait. Tu es libre. Libre d'être là. Et quand tu es là, alors, tu opères. Et qu'est-ce qui opère là? Dans cette paix, qu'est-ce qui se passe? L'esprit peut mettre de l'ordre. C'est comme ça qu'il opère. Autrement, il est tout le temps en désordre. Un esprit occupé est en désordre. Toutes sortes de choses, d'imagination, d'espoir, de problèmes, d'angoisse. Il est tout le temps occupé. Et là, dans cet havre de paix où il n'y a plus de réaction, alors tu es libre. Libre pour opérer. En fait, ton esprit est tellement harmonieux avec le tout, il n'est pas en dualité avec ce qui devrait y avoir. Donc, il est là à être, à avoir toute son énergie. Aucune énergie est dissipée. Tu as toute ton énergie. Pour mettre en œuvre cet instant où tout se passe, pour rester là-dedans, pour rester comme ça. Et cet esprit est là à ne rien faire, parce qu'il n'y a rien à faire. Et pour rien faire, tu dois avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir accepter, pour pouvoir être là, dans cette présence-là. Toute distraction, c'est dissiper ton énergie. Et c'est pour ça que on dit que la pensée, quand elle est active, elle dissipe l'énergie. Et l'énergie, c'est quand il n'y a rien. Rien, c'est une perception capable de voir le tout à partir de rien. C'est-à-dire le tout est perçu. Il n'y a plus quelque chose à voir. Il y a tout, puisque quelque chose n'est pas là. Il n'y a plus rien qui est divisé. Tout est uni en un seul. Rien n'est dissocié. Tu vois le tout avec un œil éternel. Ton œil n'est pas divisé. Tu ne vois pas ceci et cela avec plutôt ceci ou cela, le mal, le bien, le grand, le petit. Tu vois tout. Ta perception, elle englobe le tout. Ta perception n'est pas divisée. Tu vois ce qu'il y a. Et pour ça, il faut que ton esprit soit calme. Tu ne sois pas en train d'abriter la pensée qui divise. Parce que la pensée, c'est ce qu'elle fait. Quand tu es en train de cogiter, c'est ce que tu fais. Tu crées en toi de la division. Parce que la pensée divise. Elle dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'aime, j'aime pas. Et tu es tout le temps occupé avec des choses comme ça. Mais à partir du moment
où tu es rien. C'est-à-dire que tu n'es plus identifié à ce que la pensée propose. Et la pensée peut proposer quoi? Que tu puisses arriver quelque part, que tu puisses avoir le nirvana, que tu puisses être celui que tu attends, que tu espères. C'est ça la pensée, elle fait. Et là, on dit que tu ne réagis plus à toutes ces propositions. Donc, il y a un calme et toute l'énergie est rassemblée. Et quand cette énergie est rassemblée, alors ce que tu es, c'est cela. Toute ta capacité réside là, à être. Et étant cela, tu ne te laisses plus envahir par les choses, par l'espoir, par le lendemain. Tu es là. Et cette présence, c'est l'ordre, c'est la joie, c'est la paix.